Salut à tous, c'est Tuto Facile France et aujourd'hui on va se retrouver pour une petite astuce sur GTA V Online qui pour peut-être beaucoup d'entre vous ne connaissent pas. Jusque-là j'avais pas forcément fait attention non plus et c'est un ami à moi qui m'a indiqué comment faire jusque-là. Enfin ouais, j'ai un peu honte de moi. Bref, du coup, quand vous êtes dans le menu d'une mission et que vous invitez des gens, à partir du moment où enfin une personne va vous rejoindre, il y a un décompte qui va se lancer. Vous allez pouvoir prolonger ce décompte en appuyant sur Y, le jeu vous le propose, mais ça va pas être très très long, ça vous rajoute, je sais plus si c'est 30, 45 ou une minute. Mais ce qui permet pas d'attendre d'avoir souvent des sessions pleines de 16 joueurs. Donc une petite astuce très simple que vous pouvez vous-même tomber dessus sans. Il suffit de changer le type de salon, de passer de ouvert à privé, comme je le fais là, pour repasser à 1 minute. Et à chaque fois que vous allez passer de privé à ouvert, il va repartir à 1 minute. Donc c'est une petite astuce très simple, il faut peut-être pas trop en abuser quand vous voyez qu'il y a personne qui arrive et que vous avez déjà quelques personnes qui sont là. Si vous voulez pas qu'ils se barrent, bah, évitez de relancer le temps en permanence. Mais voilà, ça peut servir, surtout quand vous attendez des potes qui traînent un peu et qui n'arrivent pas ou autre. Enfin voilà, donc il vous suffit juste de changer le type de salon pour pouvoir simplement rallonger le temps d'une minute à chaque fois que vous ferez cette manipulation. Donc sur ce, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Salut!